au petit pas, et bien souvent, aux heures des repas, Roland venait sur sa java, frappé du pied dans les estomacs. Ronde folle, ronde folle. Après, je ne connais plus les paroles. Et donc, nous sommes en train de répéter la chanson de Roland avec Chippy de Brocéliande, Aimé, Marc Goldberg et Lorenzo Malaguara, qui sera présenté au Théâtre de l'Union en première mondiale en mars 2020, avant de partir en tournée. Voilà, alors c'est une version contemporaine, renouvelée de la chanson de Roland. D'un côté, plus fidèle que jamais, puisqu'on respecte la métrique de l'ancien français, les décasyllabes, avec la construction 4 puis 6 syllabes, exactement comme les classiques, sauf que c'est en poésie contemporaine, sur laquelle nous travaillons, Jean et moi, depuis quelques mois, et surtout que ce sera dit par Turold, l'écuyer de Roland, que voici. Grand Blanc interprète dans ce magnifique costume, avec la barbe fleurie de Charlemagne, légèrement revisitée, un très beau casque et beaucoup de poésie qui viendront de lui, beaucoup d'humour qui viendront de lui, et des interactions avec Chippy de Brocéliande. Donc, c'est une ânesse du Cotentin, voilà. Dressée par Aimé, avec qui nous fomentons quelques tours. C'est un spectacle à tout public et pour les enfants à partir de 8 ans. Voilà, on devrait y rire beaucoup, à mon avis, tout en entendant la fureur de Roland, qui, on ne le sait pas toujours, meurt un peu bêtement, puisqu'il se... Il se fait péter les tempes et les dents en soufflant dans son olifant. Voilà. Donc, en fait, il meurt d'anévrisme, c'est très très bête. Voilà. Et on voit toutes sortes de combats, ça nous rappelle les combats de super-héros d'aujourd'hui, mais avec la poésie épique de l'époque. Donc, c'est quelque chose qui est entre l'Iliade et les super-héros, avec une langue très singulière, absolument magnifique, qu'on a, je pense, restituée pour qu'on puisse l'entendre avec nos oreilles d'aujourd'hui. Donc si vous aimez les clowns, les ânes et la poésie, eh bien c'est pour vous. Merci.